L'invité est Stéphane Bourgoin, spécialiste mondialement connu des tueurs en série. Bonjour Stéphane Bourgoin. Bonjour Jacques. Vous publiez aujourd'hui un livre choc et vraiment il n'y a pas d'autre mot pour le définir, chez Grasset, sur la trace du pire tueur en série de tous les temps. On parlera de cette rencontre qui vous a particulièrement marqué. Un personnage exceptionnel, et ça n'est pas un compliment, vous l'avez compris, ni dans ma bouche ni dans celle de Stéphane Bourgoin, mon invité. Il s'agit certainement d'un des pires tueurs en série américains. Stéphane Bourgoin, vous publiez aujourd'hui ce livre chez Grasset, Sex Beast, la bête de sexe. Vous allez nous dire pourquoi vous avez choisi ce titre et ce sous-titre, évidemment, sur la trace du pire tueur en série de tous les temps. La trace, elle a été heureusement retrouvée par la justice. Il a été condamné en 1972, puis plus tard, d'abord pour enlèvement et agression sexuelle de deux jeunes filles, et puis plus tard pour un double meurtre et une tentative d'enlèvement, je crois, ou plusieurs tentatives d'enlèvement. Il a été condamné 2 fois à la perpétuité. Vous l'avez rencontré en 1991 dans sa prison et il a été assassiné en 1995 dans sa prison par un co-détenu dans des circonstances que nous rappellerons tout à l'heure. Mais je voudrais d'abord revenir à ce que je disais juste avant les infos pour présenter l'émission. Depuis 1979, vous avez entamé un parcours qui est certainement très difficile à vivre, puisque vous avez rencontré au total 77 tueurs en série aux États-Unis, mais dans beaucoup d'autres pays du monde. Et vous dites dans l'introduction de ce livre qui paraît aujourd'hui donc chez Grasset, vous dites: c'est la pire de mes rencontres et j'ai eu besoin d'une aide psychologique après avoir passé des heures avec cet homme. J'ai eu en fait besoin, après l'écriture de ce livre, de rencontrer quelqu'un pour me soulager en quelque sorte, parce que effectivement, lors de cette rencontre qui démarre le 18 novembre 1991, dans une pièce du couloir de la mort de l'État de Floride, à Stark, Florida State Prison, on est d'ailleurs à 50 mètres de la salle où ont lieu les exécutions capitales de l'État de Floride. Mm-hmm. À l'époque, c'était encore la chaise électrique, maintenant c'est l'injection létale. Mm-hmm. Et dès l'instant où je suis face à Gérard Schaefer, j'ai la chair de poule. J'ai ma colonne vertébrale qui se bloque. Et pourtant, on peut dire que vous êtes blindé. Vous avez déjà eu des rencontres avec des gens vraiment très très peu fréquentables. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi? C'est un regard? C'est une attitude? C'est des mots? Il est charmant, il est souriant d'apparence, il se prétend innocent de ses crimes. Et vraiment, c'est quelque chose que je n'ai jamais ressenti avant ni après avec aucun autre tueur en série. Pendant toutes les journées d'entretien, j'étais littéralement terrorisé. J'avais l'impression d'être un personnage dans un roman de Stephen King, d'être face au mal absolu avec un M majuscule, comme une aura maléfique qui projetait, une sorte de vampire psychique. Et il faut peut-être rappeler à ceux qui vous écoutent en ce moment, on leur dit voilà quelqu'un qui a rencontré 77 tueurs en série depuis 1979. Quelle est la raison profonde de ces entretiens? La raison profonde de ces entretiens, c'est d'essayer de comprendre ce qui se passe dans la tête d'un tueur en série. Parce qu'il faut savoir que pour les tueurs en série masculins, l'assassin et sa victime ne se connaissent pas. Donc, a priori, les victimes sont choisies au hasard, quoi. Il n'y a pas de lien. Il n'y a pas de lien familial. Oui, il n'y a pas de mobile apparent. Mmh. Ça peut apparaître comme un crime gratuit. Mmh. Et en fait, ça n'est jamais un crime gratuit. Donc, pour comprendre ces tueurs en série, leur psychologie particulière, il faut leur parler, les rencontrer. Ça ne permettra pas évidemment de les empêcher de passer à l'acte, mais ça permet aussi aux policiers, aux magistrats, de mieux comprendre la psychologie particulière de ces tueurs en série et donc d'espérer pouvoir les appréhender plus rapidement. Oui, interrompre les séries ou faire en sorte qu'il n'y ait pas de séries, parce qu'il y a évidemment, mais ça on ne va pas revenir là-dessus parce que vous avez écrit beaucoup de livres sur ce sujet, mais sur les rituels, sur les trophées, tout ça on va en parler à travers l'histoire de Gérard Schaefer, parce que c'est une sorte de concentré de toutes les... Alors, les mots du vocabulaire manquent, parce que déviance, qu'est-ce que ça veut dire quand on parle d'un homme comme ça? Il faut ajouter que cet homme a été shérif adjoint d'une petite ville de Floride, et lorsqu'il a été arrêté la première fois pour une tentative ratée, puisque il avait enlevé avec sa voiture de patrouille deux jeunes filles qu'il avait ligotées à un arbre près d'une rivière, vous allez nous dire, c'est deux jeunes filles ont pu s'échapper. Et cet homme, à l'époque, était avec sa voiture de service, quoi. Mais parlons une seconde encore en termes généraux de cette histoire. La police américaine, la justice, lui attribue peut-être 34 assassinats de femmes et de jeunes femmes, voire de fillettes. Je disais tout à l'heure que certains profileurs du FBI pensent qu'il est peut-être responsable d'une centaine d'assassinats. Ça n'est pas votre cas, hein, parce que vous avez mené, au-delà de publier ces rencontres, le contenu de ces conversations, vous avez mené une véritable enquête sur cet homme. Oui, j'ai filmé des entretiens avec 18 protagonistes de l'affaire, y compris le tueur, puisque j'ai filmé le seul entretien avec lui, qui a été diffusé à la télévision française. J'ai fait 4 documentaires pour différentes chaînes de télévision sur lui. J'ai filmé aussi 43 lieux où photographiés associés à ses crimes, toutes les maisons où il a vécu, y compris la maison de sa mère à Fort Lauderdale où il a grandi. Toutes ces scènes de crime, je me suis rendu sur place et j'ai récupéré auprès des policiers de Floride l'ensemble du dossier criminel et des objets personnels appartenant au tueur Gérard Schaefer. Et vous avez rencontré aussi des personnes qui ont été très proches de lui, voire une ancienne épouse. Hein. Une ex-petite amie, oui, avec qui il a eu une relation en 1972 et qui, par la suite, lorsqu'il a été condamné à la perpétuité, l'a rencontré à nouveau en prison et a publié des écrits du tueur, qui ont été rassemblés sous le titre de « Journal d'un tueur », qui est des écrits absolument abominables, qui ont servi à condamner ce tueur en série. Et ces écrits ont été republiés en France cette année par un éditeur qui s'appelle Camion Noir. Alors, je l'ai indiqué tout à l'heure, il bénéficiait d'une intelligence exceptionnelle, un QI de, je crois, 130, non, c'est ça? Oui, un peu plus que 130. Voilà, oui. Bon. Mais donc, c'est considéré comme un QI, en tout cas. Moi, j'aime pas qu'on dise QI, donc intelligence. Hein, bon. Mais un QI quand même exceptionnel, qui, évidemment, mis au service d'un esprit particulièrement manipulateur, lui a permis en fait de brouiller les pistes, de faire disparaître les cadavres de la plupart de ses victimes, ce qui explique qu'il n'ait été condamné que pour un double meurtre. Et lorsqu'il a fait des études au préalable, avant de s'engager dans la police, de criminologie. Il était diplômé en criminologie et en droit. Hein. Oui. Donc, il savait parfaitement comment mener les enquêtes. Et d'ailleurs, dans ses écrits, y compris à des lettres qu'il adresse aussi à des policiers et à son ex-petite amie, il dit « pas de corps, pas de délit ». Eh oui. C'est la phrase de Staline, hein. Pas d'homme, pas de problème. Encore un mot pour compléter la personnalité de cet homme. Après, on va entrer ensemble dans son histoire. Il a également, il ne fait pas qu'écrire des lettres, il envoie du papier bleu aussi. Il a attaqué en diffamation un certain nombre de personnes, dont vous, parce que les personnes qui avaient écrit sur lui l'avaient donc qualifié de tueur en série. Or, il dit « Je suis innocent ». Ce que j'ai écrit, parce qu'on parlera des textes de fiction mais il faut mettre des guillemets, parce que vous êtes intimement persuadé, comme la police américaine, que ces œuvres de fiction, en fait, sont la transcription de scènes qu'il a réellement vécues, mais lui dit non, pas du tout, voilà, on me fait porter le chapeau, il y a un complot, j'écris, c'est pas interdit de s'exprimer par l'écriture, mais je ne suis pas coupable. Et il a continué jusqu'à être, quand il a été assassiné dans sa prison, il continuait à dire « Je suis un innocent en prison ». Quand on lit certains de ses textes, notamment 3 textes qui ont servi à le faire condamner, c'est quand même un cas exceptionnel que quelqu'un... 3 textes de fiction. De fiction, supposée, soi-disant, voilà. Mais qui sont la copie, la photocopie... Ouais. Totale et parfaite, excusez-moi d'employer ce terme, de ces scènes de crime. Voilà, quand on connaît le dossier, on peut mettre des noms sur les personnages qu'il décrit dans ses prétendues fictions. Quoi, en fait. Tout à fait, pratiquement. Parce que ces textes qui vont être retrouvés au domicile de sa mère, en avril 73, sont retrouvés aux côtés d'objets appartenant à plus d'une dizaine de victimes, y compris des dents de certaines de ses victimes. Alors, on va faire une première pause. Sex Beast, traduction bête de sexe. Il n'est pas le seul à avoir été baptisé de ce surnom. Non, il y a eu un autre tueur en série à la fin des années 50 et au début des années 1960, notamment en Virginie, qui était musicien de jazz, et Melvin Reese, qui a lui aussi eu ce surnom. Mais je vais dire, à côté de Gérard Schaefer, c'était un petit malfrat, puisque Gérard Schaefer, à mon avis, collectionne le plus grand nombre de perversions possibles et même inimaginables. Ouais, ce qu'on appelle les paraphilies, vous expliquez ça très bien dans le livre. On va pas en faire la liste parce que on a suffisamment d'imagination malheureusement pour ça. Mais revenons sur le parcours de cet homme, parce que comme pour beaucoup de tueurs en série, beaucoup de gens ont été complètement étonnés par la suite quand il a été traduit en justice, quand on a commencé à dire qu'il avait peut-être tué 34 personnes, voire plus. Comme enfant, où est-ce qu'il a passé son enfance ? Alors, il a d'abord passé son enfance en Géorgie, pas très loin d'Atlanta. Le père travaille est représentant d'une grande compagnie qui, notamment, vend les mouchoirs Kleenex et autres. Mais c'est un père qui a eu, lui, qui a été fait prisonnier par les nazis pendant la guerre, qui a été traumatisé à vie et qui en a beaucoup parlé à cet enfant, quoi. Et qui s'est mis à boire, je crois qu'il était... C'est un alcoolique invétéré, qui... pour survivre dans les camps nazis, disait qu'il fallait toujours suivre les ordres très stricts, et qui inculque ça à son fils voilà. Gérard Schaefer. Ouais. Son fils aussi se rend très vite compte que son père préfère de beaucoup sa sœur. Ouais. Et donc, dès son plus jeune âge, Gérard Schaefer joue à des jeux morbides où il est toujours la victime, il fait le mort avec ses camarades de classe et il s'habille en fille avec les sous-vêtements de sa mère qu'il va découper aussi. Donc alors, vous voyez, il y a tout ça ont évidemment été mis sur la place publique à l'occasion des débats en justice. Alors après, il a une scolarité à peu près normale, voire il est très intelligent apparemment, mais enfin il fait pas non plus d'étincelles, quoi. Il rate beaucoup ce qu'il projette de devenir. Il va aller à l'université, il va avoir à un moment, il va même devenir professeur, ou professeur associé, je sais plus comment on dit, mais ça va pas durer très longtemps à cause de son attitude. Oui, il faut comprendre qu'il est dans une famille extrêmement puritaine, catholique, très stricte. Il va à la messe 7 jours par semaine. Tous les jours, Gérard Schaefer. Et il est obsédé aussi, dès son adolescence, par la pureté et la virginité. Il se fait remarquer dans un collège catholique, vous racontez, parce que il croit pas qu'il soit possible de faire un enfant par l'opération du Saint-Esprit, ce qui lui vaut d'être exclu, je crois, d'une école catholique. Et il est obsédé par la virginité, en fait. Oui, pour lui, les femmes, dès l'âge de 13-14 ans, sont soit des saintes vierges, comme sa mère, soit, excusez-moi d'employer le terme, le dit lui-même, des putes. Oui. Voilà. Et donc, il fait passer des sortes de tests psychologiques à ses petites amies. Il a une petite amie de 14 à 16 ans, mais pour lui, le seul moyen de faire l'amour avec elle, c'est de passer et de faire semblant de la violer. Et quand il est stressé, il part chasser dans les marais des Everglades, c'est les grands marais de Floride, où il tue toutes sortes d'animaux. C'est un fanatique des armes à feu dès l'adolescence. Il explique d'ailleurs de la chasse, qu'il veut rentrer dans la police parce que comme ça, il pourra tirer sur des animaux, etc., sans avoir à se justifier. Quand il a été viré de ses postes de professeur, c'est pourquoi ? C'est parce qu'il avait, il prêchait en quelque sorte sa philosophie de la vie. Auprès des étudiants, quoi. Voilà, en fait, il prêchait la bonne parole, c'est-à-dire... Enfin, sa bonne parole, quoi. Sa bonne parole, sa vision de la société, c'est-à-dire un côté à la fois extrêmement puritain, et en même temps, il s'adonne, quand il est stressé, à des longues promenades dans la forêt où il va revêtir des sous-vêtements féminins, s'attacher, se ligoter à des arbres, se menotter et faire comme s'il se pendait à des branches d'arbres. Oui. Et d'ailleurs, une ou deux fois, il me le raconte, il ne passe pas très loin de se pendre lui-même. Oui. Et cela, dès l'âge de 12-13 ans, avant que la famille aille s'installer en Floride, dans la ville balnéaire de Fort Lauderdale. Alors, on l'a dit tout à l'heure, peut-être 34 assassinats, peut-être plus, vous pensez un peu moins, mais enfin, vous lui attribuez au minimum, une quinzaine de meurtres. Hein. Mais on n'a pas pu prouver l'essentiel des accusations, tout simplement parce que dans son dossier, il y a énormément de disparition. On disparaît beaucoup autour de cet homme. Et comme vous le disiez tout à l'heure, pas de cadavre, pas de crime, il est passé, si j'ose dire, à travers les gouttes pendant des années et des années. Cet homme-là, il est né en 1946, au début des années 60, c'est ce que vous dites dans le livre, il commence certainement à tuer parce que autour de lui, vous avez relevé des disparitions multiples. On pense qu'il tue pour la première fois vers l'âge de 16-18 ans. Dans des courriers qu'il a adressés à son ex-petite amie Sandra London, il fait allusion, et auprès de certains policiers aussi, notamment à une mort semi-accidentelle d'une jeune fille sur une plage de Floride qui l'aurait étranglée dans un jeu d'asphyxie érotique. Mais les véritables meurtres commencent en 1969. Alors, on fait une pause. Terrible parcours de ce tueur en série américain, l'un des pires certainement dans les annales du crime, Gérard John Schaefer. D'ailleurs, Stéphane Bourgoin, on l'a pas dit, mais beaucoup moins connu que Ted Bundy, Ed Kemper ou tous ceux dont le cinéma s'est inspiré pour des films. Alors que, en fait, il est pire, si j'ose dire. Pourquoi ? Parce qu'il est tellement glaçant que finalement, il n'est pas inconnu aux États-Unis quand même. La presse a beaucoup, beaucoup parlé de lui. Hein. Bah, curieusement, il est très peu connu. Oui, aussi, il n'y a eu qu'un livre régional, un peu de l'auto-édition qui a été publié sur son cas. Sinon, mon ouvrage est le premier livre à se pencher en détail sur son affaire. Ouais. Hein. Alors, on a donné ce parcours, une enfance chaotique, un père alcoolique, des problèmes au cours de ses études, mais quand même ce QI de 130, voire plus, des postes de professeur d'université, mais dont il se fait virer très régulièrement. Après, il fait ce diplôme de criminologie dont vous parliez. Il est engagé dans la police. Il va être shérif adjoint pendant quelques temps. Et au moment de ce que nous allons raconter maintenant, c'est-à-dire 1972, cet enlèvement et ce double meurtre raté parce que les victimes réussissent à s'échapper, il travaille depuis 28 jours dans la police, et il a l'uniforme, son insigne et sa voiture de fonction. Et c'est comme cela qu'il prend en stop dans la voiture de police deux jeunes filles qui font du stop au bord de la route. Oui, parce que quelques mois auparavant, il a travaillé dans un autre commissariat, juridiction différente, à Wilton Manors, où il a été renvoyé à cause de nombreuses erreurs de procédure, parce qu'il montre tout le temps sa plaque de policier, qu'il essaye d'obtenir l'adresse de jeunes femmes. Ah oui, c'est ça. Il donne des contraventions, puis il passe l'éponge si les jeunes femmes leur donnent leur numéro de téléphone. Hein. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc il se fait renvoyer. Donc beaucoup de ses collègues ont même dénoncé leur hiérarchie, son comportement. Hein. Oui, il se fait réengager dans le comté de Martine en présentant une fausse lettre de recommandation de la personne qui l'a viré. De la personne qui l'a viré. C'est quand même très gonflé. Oui. Et au bout de 28 jours à peine, il téléphone de lui-même à son supérieur, le shérif Robert Crowder, que j'ai rencontré, qui me parle longuement de Schaefer d'ailleurs dans l'ouvrage, pour lui dire « Écoutez, shérif, je crois que j'ai commis une grosse erreur, vous allez me gronder. » Et... oui, parce qu'il sait que les filles vont appeler la police, quoi. Voilà. Bon. Oui. Alors, ce qu'il a fait, c'est que le jour précédent, le 20 juillet, il avait déjà approché ces deux jeunes adolescentes qui faisaient de l'autostop, Pamela Sue Wells et Nancy Trotter en Floride. Il les accompagne et les dépose dans l'endroit où elles résident. Et puis, en leur disant, faut faire attention, faut pas faire du stop comme ça au bord des routes. Oui, ça peut être très dangereux. Voilà. Et d'ailleurs, si vous allez quelque part demain, je viens vous chercher. Elles le font, elles l'appellent pas. Hein. Non, mais il se rend, il leur fixe rendez-vous et il les embarque à bord de son véhicule et leur propose de les emmener vers la plage. Et puis, tout d'un coup, il prend un petit chemin de traverse avec un fort espagnol abandonné. C'est un endroit désert, évidemment. Un endroit totalement désert à l'époque. Mais qu'il a repéré comme tous les lieux où il va tuer ses malheureuses. Hein. Alors, ces scènes de crime, faut le comprendre, se ressemblent toutes. C'est toujours des lieux très, très isolés dans les marais. Je les ai toutes visitées, ces différentes scènes de crime. Et c'est des arbres. D'ailleurs, l'un de ces arbres a été surnommé l'arbre du diable, parce que depuis les crimes de Gérard Schaefer, il est supposé être hanté. Il a tué au moins 2 victimes dans cet arbre, à cet endroit-là. Il y a eu même des cérémonies d'exorcisme pour tenter de mettre fin à ces séances, à ces bruits qu'apparemment des passants découvrent dans la forêt. Donc, les arbres, c'est toujours des arbres avec des racines très apparentes, horizontales, qui possèdent une branche très, très lourde, très, très horizontale, qui lui permet d'y accrocher une corde pour y pendre ses victimes. Et toutes ces victimes sont ligotées, aux chevilles, aux bras, à la taille, et toujours menottées les mains derrière le dos. Et Gérard Schaefer a presque toujours, dans 90% de ses crimes ou tentatives de meurtre, kidnappé des jeunes filles 2 par 2. Pourquoi, me demanderez-vous? Parce que c'est plus difficile. Vous lui avez posé la question, oui. C'est plus difficile quand on s'attaque à 2 personnes. Parce que il les met face à face pour que l'une d'entre elles puisse assister à l'agonie de l'autre. Voilà, donc il y a ce mode opératoire qui est constant, qu'on peut retrouver, c'est comme ça qu'on a pu lui attribuer quand même un certain nombre de ces disparitions comme des assassinats. Et évidemment, donc là je reviens au début de l'histoire, son coup de fil au commissariat pour dire vous allez pas être content, j'ai fait une bêtise, j'ai emmené 2 filles, mais je voulais leur donner une leçon pour qu'elles arrêtent de faire du stop, je voulais leur faire comprendre que ça pouvait être dangereux. En fait, c'est un véritable miracle pour ces 2 jeunes femmes. Hein. Oui, elles arrivent à détacher les cordes, pas les menottes. Oui. Donc elles libèrent les cordes qui les attachent au cou, parce que elles ont les pieds en équilibre sur les racines protubérantes. Donc si jamais elles dérapent, Elles se pendent elles-mêmes. Alors, le policier qui a reçu l'appel de Schaefer, lui, il envoie des patrouilles tout de suite. Des patrouilles, et les deux jeunes filles sont terrorisées et s'enfuient dans les marais et en bord de mer, les mains attachées dans le dos. Voilà, et elles vont être retrouvées par des patrouilles, en fait. D'ailleurs, je recueille leur témoignage, qui est publié dans le livre et qui est proprement terrifiant et glaçant. Alors, d'un mot, lui va dire, mais non, il va s'enferrer dans ce scénario imaginaire. Je leur voulais pas de mal, je voulais pas les tuer, je voulais simplement les avertir. La justice va pas du tout raisonner de la même façon. Il va être condamné à combien pour cet acte-là? Alors, parce que là, il est incarcéré, il reste en prison. Il est incarcéré quelques jours, et puis, incroyable, il est libéré contre le paiement d'une caution en attente de son procès. Nous sommes le 21 juillet 72 et il ne sera condamné qu'en fin d'année 72 et il sera incarcéré en janvier 73. Et entre-temps, il a tué encore. Alors, dernière pause. Là, on peut pas tout raconter, j'envoie tout le monde à votre livre, mais 1973, début 73, on est aux alentours du mois de mars, il a été condamné à 6 mois de prison finalement pour l'enlèvement réussi, mais le meurtre raté de ces deux malheureuses jeunes femmes que vous avez rencontrées. Et pendant qu'il effectue ces 6 mois de prison, à la radio, un matin, on est du côté du mois de mars 1973, il entend que la police, les autorités, ont trouvé, par le plus grand des hasards, un promeneur, etc., les restes de 2 personnes disparues, dont il était, lui, intimement persuadé qu'on ne trouverait jamais trace. Et ça, c'est un signal d'alarme pour lui, parce que si on trouve et si on recolle les morceaux, si j'ose dire, il peut avoir là un procès et être condamné à mort. Et qu'est-ce qu'il fait? Il appelle son beau-frère, qui est d'ailleurs policier, et il lui dit, est-ce que tu peux pas aller à mon domicile chercher des affaires et puis les mettre chez qui? Chez sa mère? Chez sa mère, Doris Schaefer, à Fort Lauderdale. Il faudrait que tu débarrasses d'urgence tout ce que... C'est un certain nombre de cartons. Et son beau-frère le fait. Et puis en avril 1973, il y a une perquisition chez la mère de Gérard Schaefer. Et là, qu'est-ce qui se passe? Le 7 avril 73, puisqu'on a identifié les restes de ces deux jeunes femmes. Oui. Donc là, on se réintéresse à Schaefer, mais cette fois-ci pour des meurtres. Oui, Susan Place, Georgia Jessup sont identifiées. Et la mère de l'une d'entre elles avait rencontré Gérard Schaefer, qui était venu chercher les deux jeunes femmes sous une identité d'emprunt de Jerry Shepherd pour les emmener à la plage. Elle note la plaque d'immatriculation du véhicule, elle se trompe, ce qui déroute pendant un certain temps les enquêteurs, mais sa description de Gérard Schaefer est tout à fait la copie conforme. Donc les policiers font le lien entre le Jerry Shepherd et Gérard Schaefer, qui est condamné et en prison, et donc une perquisition est menée au domicile de la mère. Et alors là, ils vont aller de découverte en macabre en découverte. Je publie la liste de tous les objets qu'on a découverts lors de cette fouille, qui sont incroyables. Des papiers d'identité appartenant à des victimes, des bijoux à d'autres, des écrits, des dizaines de dessins de Gérard John Schaefer qui montrent des pendaisons de jeunes femmes, des vêtements, et quand on essaye des dents. Des mèches de cheveux appartenant à d'autres victimes. Et donc, quand on met face à face devant cette liste terrible, macabre, les objets ayant appartenu, il y avait un sac notamment qui a été une preuve accablante, évidemment, parce qu'il avait offert ce sac, je crois, le sac d'une des victimes qu'il avait offert à sa propre épouse. Son épouse. Ce qu'il faisait, lui, c'est qu'il offrait un certain nombre des bijoux à son épouse, et il raconte que ça l'excitait beaucoup de voir son épouse porter les bijoux de ses propres victimes. De ses victimes, voilà. Donc voilà, point de suspension, je vous remercie beaucoup de nous avoir donné en avant-première sur RTL aujourd'hui le contenu de ce livre Sex Beast, donc qui paraît chez Grasset. Samedi prochain, vous serez en conférence d'ailleurs dans le sud de la France, à Aix-en-Provence. Oui. Samedi 28 à 18h30. À l'Institut de criminologie méditerranéen, où je fais une conférence autour de Gérard John Schaefer. Je vais passer des images de mon entretien et je dédicacerai aussi mon ouvrage. Je vous remercie beaucoup. Merci infiniment, Stéphane Bourgoin. L'émission